Salut tout le monde, c'est Volk, et donc on se retrouve pour la suite de Code Veronica. Ou comme j'ai dit à la fin de la partie précédente, du coup j'ai fait l'inventaire tout seul en off, machin et tout, on s'en fout, j'ai pas fait ça en vidéo. Et on reprend donc avec notre ami le connard paumé. Emilien. Bon, donc du coup, on a essayé de profiter du pseudo temps mort pour revoir un peu le chemin, on va dire. Enfin, surtout moi, hein, du coup. Ah oui. Oui. Hop. Je confirme. Merde, j'avais oublié ce détail. Ah mais merde. Bon bah voilà, au moins c'est fait. On sent bien, l'arbalète c'est de la merde, hein. C'est dit, c'est confirmé maintenant, hein. Je pense que c'est bon. Hein. Ah le rapport de Dieu, voilà. Voilà. Ouais. Un chambrella qui vaut quelque chose. C'est Hunk. Ouais, alors ouais. Le problème avec Hunk, c'est qu'effectivement c'est Dieu, c'est-à-dire que tout le monde l'adule mais personne ne le voit. C'est un peu le problème. Je vous laisse le temps de mettre pause hein, pour que vous puissiez lire. Voilà, Hunk, c'est le meilleur. Voilà, du coup on a le deuxième blason. Je fais le tour quand même du bureau vite fait pour voir s'il n'y a pas des munitions qui traînent ou quelque chose, on sait jamais. On part en munitions. Voilà, et on se tire. Donc là, officiellement, maintenant le blason, on va retourner donc au centre d'entraînement. C'est ça, hein, centre d'entraînement pour l'utiliser. Bah là on s'est fait tirer dessus par Alfred hein. En extérieur là pour obtenir une petite cacarde taxi. Mais avant ça il faut pas que j'oublie donc d'aller visiter les deux pièces que j'ai pas pu faire. Préférence, hein, il faut pas que j'oublie. Tout comme les carreaux d'ailleurs que j'ai laissé dans la deuxième partie extérieure, ça me fait penser. Enfin bon, dans tous les cas, c'est pas perdu, hein, je pourrais récupérer. J'ai cru qu'il était pas mort encore ce con. Vous pouvez pas rester à terre une bonne fois pour toutes. Me recule. Hein. Voilà, donc là, des carreaux, très bien. Voilà, et normalement... Ah non, encore des carreaux. Je croyais qu'il y avait un spray ici. Tu te sens flouté ou pas là? Hein? Tu te sens flouté ou pas là? Oh! Bon, écoute, ça va niveau soins, je sais que j'en ai pas mal dans le stock, alors bon, c'est. Enfin, on propose que des fléchettes en mousse quand même. Ouais.
je vais faire avec ce qu'on me donne. Ah mais autant dire, hein, c'est... pareil que c'est bon pour la peau. Franchement, est-ce que c'est pas un peu hors contexte là le sauna quand même? Léger. Là c'est pareil que la musique, tu vois. Le mec qui ont... Les mecs qui ont fait la texture pour les mecs punis. Ouais. Ça a tellement coûté la peau du cul, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paf! Un autre décor, pile pour ces connards. Voilà. Pétain. Mais plein de raccourcis en fait, hein. Ah, voilà, c'est ça que je cherchais. Tourner la valve. Et d'une pierre deux coups, tu vois, la texture de la flotte super bien foutue qui a coûté super cher, pareil. On la place ici aussi. Ah oui, si, je me souviens justement. Si je ne dis pas de conneries, c'est la clé que je voulais utiliser. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je l'avais complètement zappé, elle. La clé de l'entrepôt. On va aller l'utiliser de suite. Bon, de toute façon, c'est juste à côté, hein, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, de la poudre. Très bien. Je comprends pas, pourtant dans le plan, là, on voit bien, tu vois, t'as un casier qui est complètement différent des autres. Ouais. La logique voudrait qu'il y ait un objet dedans. Ah, mais quoi qu'il attend. Ah oui, mais c'est vrai que cette pièce, on y retourne avec... avec Mister, j'avais oublié ce détail. C'est peut-être avec Mister qu'on va l'utiliser. Bon. Donc nous revoici à la case départ. Coucou. Ah mais de toute façon ici c'est foutu après là. Bon apparemment j'ai pas le choix. C'était serré. Hop, voilà. J'espère que je vais avoir assez de place dans l'inventaire quand même. On va récupérer un petit peu de bordel. Enfin, du bordel utile. C'est une porte vitrée, hein. Chut.
Ah merde, non, j'ai oublié les balles. Demi-tour! Il me semble qu'il y a des balles avec le bureau. Le bureau d'amélioration. Vie. Y'a pas du sucre radioactif aussi à gauche? C'est pas avec elle. Ce sera pour plus tard, petit. Utiliser. Bonjour madame. Voilà. Bon, disons que celui-là il peut être raté aussi si on fait pas attention, mais faut le faire là quand même. Hein. C'est bon, ce genre de choses en temps normal c'est assez voyant. Ça manque un peu de fluo. Ok, ça va, j'ai compris. Ah oui, c'est le système de ventilation du coup qu'il faut mettre en place. Sauf que je sais plus comment on fait moi. Alors, système de ventilo, c'est où déjà? Putain, je me souviens plus. Ah si. Si, bah oui, en même temps, je suis con. C'était évident. Enfin, évident. Hey petite, prends l'ascenseur. Vous êtes au premier et on premier sous-sol et on va aller, ben, je crois au premier étage, il me semble. Je crois me souvenir que c'est le premier étage. Il n'y a rien. Allez hop. Voilà. Jeter le passe. Très bien. Alors, je crois que c'est... Voilà. De mélange vert, ça ira bien. Ah, le seau, d'accord. Je me souvenais pas qui était là, mais très bien. Alors, ah oui. Comment on fait? Ah voilà. Il y a un numéro. 1126. 1126, tu retiens. Hein? Hein? D'ici dit? C'est ce que c'est? Hop. Au revoir. Alors, carte. J'essaie de me rappeler du coup aussi. Oui, de toute façon, dans tous les cas, ouais, c'est soit je descends les escaliers et je me tape le tour. Ouais, bon, on va faire ça. Hein. Non, mais... Oui, quand tu vas faire la sieste, hein. Oui.
peut même crever, hein. La bouche ouverte. Tout à fait. Voilà. Donc on retourne là où ça avait pété. Donc du coup c'est maintenant, hein, pour ceux qui auraient raté l'arbalète, c'est maintenant qu'ils peuvent la récupérer. S'ils arrivent encore à pas l'oublier. Je vais avoir besoin de place. Tu apprends la petite que ce qui est mort maintenant ne le reste pas. Prendre le portrait, c'est... Bah oui. Laissez passer, j'ai pas de temps à perdre avec vos conneries. Ah, c'est ça de jouer avec des fausses couches. Moi forcément, vous tombez sur des abominations quoi. Ah bah ils l'ont voulu quelque part. Ouais. Voilà. Enfin bon, donc là du coup ils nous remettent le même délire. Donc retour au manoir, hein, pour aller poser le portrait. René la taupe, merci René la taupe. Ah ouais non mais lui c'est. Lui il va rester seul longtemps, hein. Là, le verre il va rester tout seul pendant un bon moment, hein. C'est moi qui vous le dis. Personnellement, j'ai pas envie d'espérer des balles à le tuer. Donc si je me souviens bien, si c'est la porte du fond. Du coup. Non, mauvaise pioche. Une chance sur deux. Pourquoi tu attends, je suis impatient du coup que ce soit là. Merde, Jean-Michel Pommier, qu'est-ce qu'il faut? J'ai perdu la salle avec les tableaux. Putain, c'était où? Au premier. Bah non, parce que là au premier. Réfléchis maintenant, parce que le premier c'est la salle de sauvegarde et l'autre c'est la salle avec les... le piano. Salle de formation militaire. C'est peut-être au centre de formation militaire alors.
Merde, pourquoi je voyais le portrait ici, mais du coup... Yo. Putain, merde. L'autre, le mec, depuis tout à l'heure, il est là, Il a pas branché, le type. Bah merde alors, putain, la salle où on avait dit qu'il y avait le premier emblème de l'aigle que j'ai récupéré avec la machine à écrire. Ah bah c'était peut-être 300 militaires, alors j'ai merdé. Merde, j'ai craqué. Passer par là. Ah merde, c'est vrai. Bel essai le chien. Il a cru voir le canigou en dessus de la caisse. C'était une belle action. Hop, on va récupérer ça donc à faire. On va aller ici. Ouais, c'est ça, c'était là. Aïe aïe aïe. Oh merde, putain. Sans déconner, vous êtes combien? Chut. Je sais pas pourquoi j'ai vu dans l'autre couloir le la pièce. Eh oui, c'était là. Elle est. Ouh. Oh, je m'en fous moi de la maquette, c'est ça que je veux. On va utiliser ça aussi. Donc la clé dorée, c'est bon. Je sais où l'utiliser, celle-là. C'est justement là où j'étais. donc la clé dorée, du coup, pour ouvrir la porte au tableau. Voilà. C'est ça. Hein, Jean-Michel, pas concerné. Hein? 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 Je ferai gaffe, tes lunettes sont de travers. Très important. Surtout pour les spectateurs qui nous regardent. Ouais, tout à fait. Non, pas douter. C'est important. Un jour, peut-être qu'on mettra la webcam. Non. Enfin, je veux le faire en solo si tu veux. Toi, tu l'as déjà fait d'ailleurs sur des lives. Ouais. Une fois, je crois, peut-être sur Steam, je sais plus. Je crois. Quand on faisait le test de connexion, il me semble. Je sais plus. Non, ça me fait chier d'avoir une connexion en carton, sinon j'aurais bien stream. C'est pas vraiment une connexion à carton, c'est juste que si t'as pas la fibre optique, t'es pas débridé au niveau du flux de débit montant, du coup t'as forcément de la chiasse. Même si t'as une bonne vitesse de download. Oui voilà, c'est que j'ai mis en... Bah j'ai mis rien en fait. Allure. On va commencer par récupérer ça.
Alors, enfin, je vais essayer de le faire de tête pour voir si je m'en rappelle. Alors, il me semble que c'est d'abord elle. Suivi de lui. Dommage. C'était pas bon. Alors, je me souviens que c'était bien elle en premier. Ensuite, c'est tonton, il marque. Lui. Ce petit merc, c'est le connard rouge. Bon, je pourrais dire lui. Le vieux après, je crois, non? C'est des vieux connards. Ensuite, ils disent Lord connard. Et ensuite, ils disent jeune troduc. Bien aimable. Vous êtes quoi? Voilà pour débloquer la connasse. Voilà. La reine des troducs. Donc maintenant c'est pas compliqué, ici c'est fini. Donc maintenant qu'on a la fourmi rouge et bleue, bah on va aller tout simplement les mettre là où il faut. Et je crois que ça va pas tarder à chier d'ailleurs. Alors par contre que j'oublie pas de prendre la fourmi bleue quand même, ce serait bien. Poser ça à la place. Si justement, tiens, ce qu'on va faire aussi. Donc j'ai quoi? J'ai un mélange d'herbes vert rouge. Un spray, deux, trois, quatre sprays. Putain. Et un mélange d'herbes total. Ok, je suis pas mal. Je suis pas mal. Je vais essayer de mettre les grands ensemble pour pas que je les paume quand même. En fait, niveau soin, je suis blindé là. Ça va faire plaisir. Que je réfléchisse du coup. On va utiliser la fourmi bleue, ça va faire un emplacement de libre. La fourmi rouge, ça va faire un emplacement de libre. La logique voudrait qu'on récupère le dernier saut. Du moins prochainement. Ouais, je pense qu'on va pas tarder à se barrer, hein. Pas tarder à se barrer.
Non. Ah putain, mais c'est pas vrai. Mais moi je fais de la merde. Ma vie, c'est de la merde. Oh. Et oh. Donc il y a une distance d'utilisation pour le flingue, hein, sinon il réagit pas. Ce n'est pas qu'il y en avait autant. Ah, une munition de flingue. Puni, voilà. Commence un petit peu à tirer la gueule. Privé de flingue, puni. Bah, j'allais dire, ils sont plus là, les gars. Ah, ils ont pris un bain, tu crois quoi? Je m'en fous, hein, ça me dérange pas. Hein, le flingue, on pourra bientôt le jeter. Il embrasse le mur. C'est chaud, tiens. J'ai pas compté, mais il devait y avoir à peu près 10 fléchettes, non, par zombie? C'est actuellement la réponse la plus précise que je peux faire. Ouais. Ah, du coup on va se taper le tour pour aller dans la chambre. Putain. C'est des suppositoires. Pas sûr, pas sûr. Si, si, c'est pour délocaliser la douleur. Royalties, royalties. Coucou. J'en mets encore un coup. Parce que ça nous a coûté du pognon. Ah non, je voulais dire, la mélodie, c'est pas fini encore.
semblait qu'il y avait des munitions, non? Ouais, non, apparemment, je pourrais me faire foutre. Oui, c'est vrai, c'est bon. Voilà, voilà. Allez, on touche au but. C'est là-haut. Ah, mes mots, c'est trop long. Voilà. Le dernier saut. Puisque j'ai de la place, tant qu'à faire. Puis de toute façon. Voilà. Disparu. Est-ce que je prends les rubans? Pff, non, c'est bon, on s'en fout. Allez, terminus, tout le monde descend. J'ai dit tout le monde descend. I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford. For the pride of the Ashford family, I will kill you. Wait! What's going on? Ah! Steve! A secret door! After her! Are you okay? I'm fine. On ne se soucie pas du sort d'un escabeau. Elle a encore les règles à apprendre, la pauvre, elle connaît pas tout. T'as duré, il est déjà en position, les types. This must be... What? No! Wait a second. What just happened? So there never was an Alexia after all. You mean he thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. The self-destruct system. Putain, un truc de sens extérieur de la bouche de cet escabeau. Attention les gars. Enregistrez bien s'il vous plaît. Right. Il faut atteindre l'aéroport mais je pars sans droit, hein. C'est bon, donc du coup, faut pas que j'oublie de récupérer le seau par contre, quand même, ça serait grand. J'en avais laissé en vie. Je pense que c'était le. Celui qui a bouffé le mur? Oh, oh, peut-être. Pas celui-là, je pense que c'était celui qui était à l'entrée, il y avait pas une flaque de sang sous ça. Ah ouais, possible. Bon.
S'en fout, de toute façon, ici on n'y repasse plus. You. Excuse-moi, je vous oublie toujours, hein, mais je vais m'y faire, promis. Les mecs, ils veulent juste faire un massage taïwanais à peu près. Apparemment assez doux, donc je sais pas pourquoi tu refuses, mais bon. S'il y a pas le temps. Trop vieux pour ces conneries. Jean-Michel pas concerné du tout. T'es à côté de la boîte à cigares en même temps, le gars. Tranquille. Hein. Alors, on va prendre ça. On va prendre un mélange d'herbe au kiro quand même. Here too. Right. Let's go. The self-destruct system has activated all personnel. Bonjour Royalties. Ça fait à peu près 4 épisodes. Fou celui-là. Mais bon, gotta get to that airport. La doubleuse nous a tellement cassé les couilles pour son putain de cachet à 1 million qu'on a été obligé. Du coup, bah, on est partout. Je pense que ça va être le même aussi, le gars pour les titres, hein, au début. D'ailleurs, je crois que dans le 7, y'a plus le gars. Hein. Ah bah déjà que dans le 6, t'es obligé de te taper l'intro si tu veux l'entendre. Ouais. Et dans le 7, je crois bien que... Bah, je l'ai pas fait le 7 encore. Faudrait que je m'y mette. Échange de bons procédés, on veut te faire des massages taïwanais. Toi tu vas à l'acupuncture. J'en étais sûr. Faut quand même la quantité de flèches qu'il faut. Et ceux qui ont suivi, ils me diront hey, pourquoi tu n'utilises pas tes carreaux explosifs. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vous allez très vite comprendre pourquoi je les garde de côté. C'est un point de détail, un point de détail. Ouais, mais c'est un détail qui a quand même son petit pesant, hein. Donc là, c'est le moment où les mecs, ils savaient plus trop. On est cherché les objets, donc ils ont juste foutu l'objet partout. Rien à foutre. Ouais, un peu de ça, ouais. Exactement la même chose qu'à la fin des rangs 1, les gars. Tout pareil. Avec la batterie dans le couloir. Ah ouais.
Ouais, ouais, je dois dire, pour moi, je connais pas tant que ça. Hein. Oui, si, c'est bon, ça ira, parce que là, il faut juste que j'aille justement m'occuper du pont, c'est pas encore. Vous pouvez commencer, pour ceux qui connaissent le jeu là, vous pouvez commencer à lancer les paris. Hein, savoir combien de morts. Sponsorisé par la FDJ, bien sûr. Évidemment. Et on dit à du 10 contre 1. 10 contre 1, pourquoi? Ouais, je sais pas, pour les paris. Ouais, mais combien? Ah, moi je sais pas, c'est toi qui vois. Ah, moi j'ai dit 0, moi. J'ai dit 0, moi. Bah oui, bah oui. Tiens, quoi. 0 mort, hein. Il y croit en plus, le mec. Hein. Bon, pendant ma phase d'éveil. Ouais, ouais. Après, voilà. Sûrement où je ferme les yeux. Ah mais c'est vrai qu'ils sont encore là. Ouais. Au sens figuré comme au sens propre. Après tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu peux crever un nombre incalculable de fois. Je préférerai juste d'attendre que les somnifères fassent effet. Tu verras très vite. On entendra certainement un léger ronflement. Et là tu pourras y aller. Là, je saurai, c'est le signal, je peux y aller. Je me permets de les finir parce que sinon ils vont m'emmerder aussi. Hein, donc, parce qu'ici on va y revenir encore et tout, donc non. La première fois suffisait. Montée de levier. Si je vais ici, à ton avis, c'est pour faire quoi, connard? Un sandwich. Et c'est logique. Non mais ça sert à rien de mettre les battements du cœur à chaque fois non plus là, c'est bon. Donc évidemment on redescend pas la passerelle hein, parce que sinon ça sert à rien. Oui. Je précise pour les deux du fond qui dorment. Un troisième bientôt. Ah toi ta gueule. Voilà quoi. Tu restes éveillé et tu la fermes. D'accord, d'accord, d'accord. La baise les gars, la baise. Putain. Alors on va ramasser un petit peu tout ce qui traîne par contre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement même. Bonjour madame.
system has been activated. All personnel evacuated immediately. Alors on va se mettre en état, on va se mettre bien là. Stoic. Qu'est-ce que... Bon, on va dire la petite save de sécurité, allez. Normalement ici, il n'y a pas de raison. Ah, donc là on a le droit au même refrain habituel, hein, l'autodestruction depuis tout à l'heure, décompte de 5 minutes. Donc plus que le boss. Attends, bouffe 10 au chargement. Pardon, 30 secondes au chargement. Bon, 2 minutes au chargement. Là, du coup, il sait plus si c'est un mec, si c'est une femme, il sait plus quelle voix faire là. Le mec, il est perdu. C'est pas grave. Voilà, donc là, je pense que tout le monde a compris ce qu'on allait se prendre dans la gueule. Mister Freeze qui a mal tourné. Ouais, c'est ça. Oui, d'ailleurs, on va poser, ça sert à rien. Là, il faut du gros calibre. Le mec, l'acupuncture, lui, il s'en fout. Il a dit qu'il était pas là pour ça. Ouais, c'est ça. C'est l'instant Jean-Michel. Jean-Michel. C'était épique. Depuis 1962. Voilà, c'était épique. Bon, bien sûr, les paris pour la mort, c'était pas ici. Hein. Ah, je vais dire 0, on a gagné. Ah, on a gagné. C'est pas le bon combat. Arrêter les battements de cœur à chaque chargement là, c'est pas possible. On voulait se profiter de la musique. Une des bonnes musiques. Voilà. Time to say goodbye to this death trap.
Mec, il a vu un menu d'IKEA, c'est bon. Je sais faire décoller un putain d'avion. For both of us. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Oh, s'en fout. Drama again. So, where should we go now? I could take you anywhere you want to go, Claire. I hear Hawaii is nice this time of year. You got it. Bien sûr, ah oui. Évidemment. Tu débarques avec un avion comme ça, je te rappelle que c'est sous l'égide des États-Unis. Et... petit missile dans ton cul, on n'en parle plus. Hein. T'auras pas le temps de visiter. Utiliser un char, mais non, c'est pour les tapettes ça. Nous on va pas utiliser un char. This game is not over yet. Now you will see what real terror is. On va y aller avec un putain d'avion de chasse. Un putain d'avion de chasse, regarde. Il y en a même deux. À ce moment-là que t'es censé prendre la manette. Espèce de trou de balle raté. Non, moi c'est connard. Bah allez, on se prépare. On va prendre ça. Alors oui, je me prépare parce que là, évidemment, si... Vous avez compris, je sors l'artillerie lourde, c'est qui en a besoin. Hein, c'est pas pour rien. Le badge là, dans l'immédiat, tu veux le garder sur toi? Non, je pense pas. Là. Là, je suis même pas sûr que je vais en avoir besoin encore. Étant donné que le pass, il est pour la base et qu'on est en train de quitter la base... C'est mort. Bon, et puis au cas où, on va quand même prendre un spray. On va refaire une save de sûreté. Parce que là, attention, ce boss là, ça peut être du die and retry. Zéro. Zéro? Bah disons que là, vu comment je suis équipé, ouais, ça peut être jouable. Ça peut être jouable, ça peut être jouable. Faut juste que j'ouvre les yeux. Oh putain. Que j'arrive à me décoller du fauteuil. Ouais, c'est soir ça. Oui, non, mais on voit que la porte est pixelisée, c'est bon, on l'a vu. Je pense qu'ils ont dû oublier les filtres pendant les chargements.
deuxième bonne musique du jour, d'ailleurs. Avec le retour de notre ami en mode vénère. Oh putain. Donc là déjà, la patate. Oh merde, elle va en aller-retour. What the? Ah non! Perdu. C'est le moment où il fallait que je dorme là. Mmh. Mmh. Ah, t'as perdu. Ouais, bon, par contre, tu vas pas mettre 3 heures à ouvrir la porte à chaque fois. Si. Par contre, je coupe hein, le... Je coupe la sématique quand même. Une fois, ça suffit. Dommage, il s'est pas arrêté. Voilà. Là où tu l'avais fait exprès. Ça s'est vu ? T'es con. T'es qu'un con. Un tout petit con. Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies. But I cannot let you escape now. Alfred, you cross-dressing freak! Non, tu es un escabeau. Un escabeau. Tu n'es qu'un personnage secondaire. Non, un escabeau. Latitude 82.17 degrees. That's the Antarctic. We're over the Antarctic. What? Hey, those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean. This place belongs to Umbrella. Mais c'est qu'il a un cerveau, le mec. Non, c'est un escabeau.
Ah, il a quand même eu une déduction logique, hein. Non, non. C'est un... Non, mais non. Sauvegarder la partie. Oui, parce que ça met fin à cette partie aussi, d'ailleurs. Hein. C'est qu'à le dire, justement. Oui. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite. À plus.